Family. Je suis pas de ta famille, hein. Voilà, mesdemoiselles, ça va ou quoi? Vous allez bien? Il y a des coupes ce soir? Non. T'en coupes toi? T'en là? Ouais. Bah réponds. Tout le monde fait. Oh. Ok, c'est pas grave. Bah je me présente, je m'appelle Tonio, j'ai 18 ans. Et je vais raconter une histoire qui m'a tenu à cœur. Qui s'est déjà fait violer par son prof de sport en 6ème 6? Il s'appelait Monsieur Tussaud. Toi? Toi, tu t'es fait violer, toi. Toi, t'es une tête à te... Ah, toi? Non, pas toi. Toi? Et que aujourd'hui, dans le monde actuel dans lequel on vit, c'est que... Tonio. Attends, je termine le plus. Tonio, c'est censé être un podcast. Pas du stand-up. Bah si, je podcast, là. Non, je fais du stand-up, là. Le public, je podcast ou pas? Si, On applaudit Choco, femme. Allez, on applaudit Choco. Le public, t'es... Ouh, allez, allez. Moi, ce qui me fait chier, c'est les blédards qui viennent te draguer dans les transports. Par exemple, la dernière fois, je prenais le tram pour rentrer chez moi, et il y a un blédard, je le sentais, qui me fixait. Et on était là tous les deux, on attendait le tram, il me fixait comme ça. Mais à ça de moi, genre il est là, à ça de toi, et te regarde. Comme si t'étais pas là, juste à côté de lui, et que tu pouvais pas sentir qu'il est là dans ton espace personnel, dans ta zone. Je tourne pas la tête, bien entendu, je me dis bon, je vais pas le regarder, peut-être qu'il va arrêter. Et il attend la faille, il attend ce moment où toi, tu craques et tu tournes les yeux et tu le regardes. Et là, il attrape ce moment et te dit « Bonjour mademoiselle, j'ai attendu depuis tout à l'heure, je vous regarde. Je trouve que vous êtes vraiment très charmante, mignonne. J'aimerais avoir votre numéro, quoi. Ah » Mais attends, mais qu'est-ce que je fais? Parce que moi, je suis une meuf gentille quand même. Je me dis, je peux pas blesser son amour propre d'homme et lui dire que non, tu me plais pas. Il va rentrer chez lui, il va se dire « Je me suis pris un râteau, donc qu'est-ce que je fais ?» Et là, le seul moyen de fuir, c'est de descendre du tram et d'attendre le prochain tram. Mais dans le prochain tram, il y a les contrôleurs. Et moi, j'ai pas payé de ticket et j'ai pas d'argent. Et donc, ce blédard, il a gâché ma journée. Vous avez jamais remarqué, genre, quand vous laissez votre numéro à un mec et il vous rappelle pas? Au début, ça pique, après, ça va, tu vois. Quand même, quand on y repense, ça fait mal un peu, tu vois. Mais des fois, on reste fort, mais des fois, ça peut partir, quoi. Hey, mais vous savez pas, vous. La dernière fois, je marche tranquille, et nana, je voyais un autre mec à côté de moi, il est en train de marcher. Caris et pitch, le sol. C'est un truc de ouf, quoi. Après, il y en a un autre, il arrive, normal, il commence à me parler, tout ça. Et il me parle avec sa bouche, tu vois, sa bouche. Wesh, le truc de ouf, vide ma mère, truc de ouf et tout. En plus, il y a son pote à côté et tout, il ouvrait ses oreilles. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Non? Mais c'est cool ce que tu fais, hein. J'ai rien contre ça. Seulement là, tu te fais faire un podcast et à partir du moment où tu chantes, en général, c'est un cover. Oncle Shitokumbu m'a dit, dégage. Je voulais vous parler de quelque chose. Pire que d'avoir la calvitie à 18 ans. Ou pire que d'être un berbe à 30 ans. Je voulais vous parler des comptes bloqués sur Instagram. Tu mets une petite photo de toi, il y a une fille qui commente. Oh, il est mignon! Toi, par curiosité, tu cliques sur le profil de la fille. Mais là, tu vois quoi? Son compte, il est bloqué. Tes parents t'ont mal éduqué? Quelle éducation t'ont donné tes parents? Pourquoi vous faites ça, les filles? Pourquoi? Pourquoi? Yo, ici J-Max, aujourd'hui on va parler des meufs. Eh, hey, vous trouvez pas ça chelou quand vous avez 8 meufs et qu'elles se croisent et qu'elles s'embrouillent? C'est pas normal, elle doit faire « Ah, t'as 6 sa meuf et tout !» Non, plus sérieusement, c'est quand tu vas au cinéma et que tu lui prends une place pour enfant, tu vois. Non, le mieux c'est quand tu prends un Happy Meal. Et vous savez, la dernière fois j'étais avec l'oncle de Tonio dans son bain, il y avait aussi Tonio, et la dernière fois, je croise un grand black comme ça dans la rue et il vient me voir et me fait « Hey, t'es plutôt mignon et tout !» Et moi, je lui dis « Ouais, cool, ça te dirait de... » Les meufs me kiffent. Aujourd'hui, on va faire un pot de casse. Voilà, j'ai cassé un pot podcast. Bon, abonne-toi. Oh, abonne-toi !